le Maroc a toujours été présent dans, au Jaitex à Dubaï. Et le fait est que nos entreprises soient présentes en force montre leur engouement pour le Moyen-Orient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est très porteur, surtout tiré par l'Arabie Saoudite. Les Émirats ont eu un temps d'avance, on le sait tous, au niveau de tout ce qui est digitalisation. C'est à la fois aussi pour nous un moyen de s'en inspirer, mais aussi de voir comment pénétrer le marché. Dubaï est un exemple. Jaitex de Dubaï est un exemple. D'autres événements sont à venir, dans lesquels nous serons, Inch'Allah, à Abidjan, aux États-Unis, en Europe, Jaitex Africa. Donc, pas mal d'événements pour faire la promotion de ce Maroc digital. Il y a eu la signature, effectivement, de la stratégie digitale Maroc 2030, le 25 septembre dernier. Cette stratégie a été élaboré d'une manière co-construite avec le secteur privé et les institutions publiques, à savoir le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Nous sommes aujourd'hui présents au Jaitex 2024 à Dubaï. Principal objectif, c'est de suivre la dynamique et la stratégie qu'a mis en avant Madame la ministre. L'objectif de cette stratégie est d'augmenter les transactions numériques de 17,4 milliards de dirhams à 40 milliards. Pour le faire, il faut absolument ramener et driver des investissements dans ce sens, ramener les leaders et les meilleures entreprises dans le monde du digital, dans la cybersécurité, dans la digitalisation des services administration, dans la partie médicale et bien sûr l'éducation. Et notre objectif en tant que chambre de commerce, d'industrie et de services, c'est de ramener le maximum d'experts, le maximum d'investisseurs, le maximum de knowledge de Jaitex, principalement du Moyen-Orient, vers le Maroc.